service. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un. J'ai entendu, il y a quelqu'un. Et coucou les loustiques. J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Squeezie. Pas du tout. C'est plus Skinny en c'est, fait. En fait, c'est quand on était en train de parler de Squeezie juste avant. Ouais, mais c'est et pas... du coup, c'est Skinny, ça commence par un S et je me suis fait. Voilà, c'est. Ouais, juste pas le même nombre d'abonnés. Dans la tête tout, et tout, mais c'était ça quoi, l'intention était là quoi. Ah, je suis avec Skinny ce soir, donc on est sur un lieu pas du tout différent d'habitude, je sais pas. Enfin, si. Il est différent d'habitude parce que tous les lieux sont différents forcément. Mais on est sur un lieu qui est quand même... Putain, il y a trop de voitures qui passent, c'est un truc de fou, on est au bord de la route, il y a trop de monde. Il y a une grande route qui passe, c'est un abonné cher et tendre que je porte dans mon cœur et que je remercie d'ailleurs, qui restera anonyme, big up. Il m'a dit, va là-bas, il y a des trucs abandonnés. Je dis, ok, d'accord. Donc on est là. Ce serait, je pense, si je ne dis pas de conneries pour l'instant, là vous voyez rien à la caméra parce qu'il y a une maison ici, mais vous la voyez pas parce qu'elle est, derrière, là-bas dans le noir. On est sur un ancien lotissement. Ça a l'air d'être un ancien lotissement avec plusieurs maisons. Si je trouve des infos pour avoir des infos, peut-être deux fois infos. Si je trouve des infos importantes sur le lieu, bah je vous les communiquerai, je vous expliquerai ce que c'était réellement. Mais pour l'instant, on va débuter la visite, on est à l'entrée. On fait du bruit parce qu'on est en extérieur, il y a beaucoup de voitures. Mais ça va être, je pense, un peu stressant parce qu'il y a une ville, une grande ville juste à côté. Donc on risquerait peut-être de trouver d'autres personnes ou je sais pas. On verra. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur de la première, deuxième ou troisième. Je sais même pas dans quel ordre on va les faire, mais c'est parti. Mais il y a vraiment beaucoup de bâtiments. Regarde, il y en a un à droite aussi. Ah ouais, c'est grand en fait. Il y a des voitures. Il y a de la lumière. C'est pour ça que c'est vert. Ouais, en fait il y a du monde. C'est quoi de ce truc là? Ben je sais pas. Ou alors c'est des gens qui squattent, c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Ça va faire des beaux. Juste on va voir dans le noir, en éteignant les lumières, voir si c'est des gens qui habitent là ou si c'est des squatteurs. Voir ce que c'est, juste se rapprocher de la fenêtre en mode furtif, comme on sait faire. Ouais, sans aucun bruit tous les deux. Il y a des voitures, il y a de la lumière dans une maison au fond. J'ai l'impression que c'est habité ou après, c'est squatté. Ça se trouve, il y a une grille et c'est un autre truc peut-être, derrière. Peut-être, on va aller voir. On va couper les lumières, on va se rapprocher, voir ce que c'est quand même. On va essayer de pas faire peur aux gens, ce serait bien. Qu'ils croient pas que c'est des cambrioleurs ou quoi. Bon. C'est pas de la lumière, genre lumière portable ou quoi. Ça c'est une télé, c'est il y a le courant quoi. Mais bon, la différence là, c'est que j'avais mes écouteurs fait. Ah bah oui. Non mais si, il y a quelqu'un. Ouais, je crois. Ça c'est abandonné à gauche. Il y a encore une voiture là. Il y a des pavillons, je t'ai dit, on est à l'entrée d'une ville, donc c'est possible que ça soit habité. Bon, ce qu'on fait, on fait le premier qui craint rien, et puis après on regarde les autres. J'espère qu'en haut c'est ouvert là-bas. Tu penses que ça rejoint? Je sais pas. On va aller voir. Du matos et de la rénovation en cours. Regarde, les lumières elles sont toutes neuves. Je sais pas si c'est en cours, mais en tout cas ça a été abandonné ou je sais pas. Soit il y a des sacs de ciment. Ouais. Soit c'est en cours de rénovation. Soit les travaux ont été abandonnés, mais. Et du placo partout.
Il y a même des fringues. C'est bizarre, hein. Il y a des rails, il y a du placo. Il a pas l'air d'être saccagé à mort, le placo. Extincteur. Attends, il y a tous les tuyaux en PVC et tout, là. C'est assez bizarre, je trouve. Ouais, c'est assez étrange. Je dirais qu'ils ont commencé à rénover, mais que ça n'a pas été terminé. Putain, c'est bizarre. Hein. Ça a l'air grand, quand même, le sous-sol. Mais le bordel là-dedans, mais il y a tout en fait, tout ce qu'il y avait dans la maison. Des chaussures de foot et tout. Oui. Regarde, il y a même une casserole, il y a des écharpes, une corde. Une brouette. Non mais là il y a encore trop de trucs, il y a une bétonnière. Non. Je te jure. Qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Il y a deux bétonnières. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait un escalier moi. Bah moi. Je te disais quoi, ça peut pas être trop long parce que j'ai touché les sacs de ciment. Ouais. Ils sont grave durs, donc c'est pas faire un moment. Y a quelqu'un ? Quelqu'un, j'ai entendu, il y a quelqu'un. Oh. Est-ce que c'était pas la porte là-bas qui s'est refermée? Ah, c'est possible. Ouais, est-ce qu'il y a un courant d'air entre là et là? Ça, c'est fort possible. Ouais, je pense, ouais. Ça a été tout refait, le placo, l'électricité et tout. C'est bizarre que ça a été abandonné. Bah pourquoi ? Ça a été squatté aussi. Hein. Ouais. Regarde, il y a un rouleau de peinture qui a séché, quoi. C'était squatté. Pareil. Regarde. Regarde, le plafond il est neuf, ils ont fait les bandes et tout. Tout est neuf en fait. Les fenêtres sont neuves. Les prises, regarde. Les prises, elles sont encore. Il y a encore le plastique dessus. Regardez.
truc de malade. Ils ont même pas eu le temps de mettre les prises partout. Les fenêtres, elles sont toutes neuves. Le double vitrage et tout, les fenêtres, elles sont neuves. Je comprends pas. En fait, on a vraiment l'impression que ça vient juste de s'arrêter, le chantier. Genre, ils ont bossé aujourd'hui, sauf qu'il y a des trucs qui disent que c'est vieux quand même, parce que le plâtre, il est raide en bas. Il y a du plâtre, du ciment, c'est dur, c'est sec depuis longtemps. Les sacs, hein, je parle. Les graffitis sur les murs aussi. Ouais, les graffitis, les... C'est comme s'ils avaient arrêté le chantier en plein milieu. C'est étrange. Putain, mais là, ils ont même fait le sol. Regarde. Il y a du parquet. La porte, il y a encore le plastique dessus. Il y a encore le plastique sur la porte. Dans les chiottes. Tout le système de chiottes. Ça, ils ont été sur les chiottes. Regarde, la porte est encore emballée. Et c'est pas de la porte de merde, hein. C'est de la porte en bois. Comme n'importe qui peut la prendre, la lever. Ah bah oui. Elle est toute neuve. Ouais. Je te jure. Toute neuve. De laisser un chantier comme ça quand même. Un souci de règlement, ça n'a pas été payé. Ça a été saisi. Voilà, c'était saisi. Les mecs qui étaient sur le chantier, bah, du coup, ils ont laissé le chantier comme ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Parce que. Putain, c'est pas si les portes. On voit comme ça, ça vaut une blinde. C'est tout neuf. C'est pas vrai portant. Non. C'est pas de la porte. Tu sais, là, en contreplaqué à la con. Là. Est-ce qu'en haut c'est identique et c'était prévu pour faire plusieurs appartements? Bah, c'était peut-être plusieurs appart alors. Alors là on a encore plein de trucs de chantier. Et des travaux un peu moins avancés. Regarde, ils n'ont pas posé le placo, il n'y a que les radics. C'est porte blindée. Porte blindée. Porte blindée, regarde. Pourquoi il y a une porte blindée? Regardez le nombre de verrous. Là. 4 verrous là. Un en haut. Et de l'autre côté, vous en avez 1, 2, 3 et 4. Alors en fait, on est sur la même conception. Architecturale, c'est exactement pareil. On a une pièce qui doit servir de salon. Les chiottes, salle de bain, les chambres. Mais là, par contre, le chantier, il a pas du tout avancé. Là, il y a vraiment que les rails, ils ont pas fait le placo. Il manque des fenêtres. On peut le voir, c'est l'extérieur. Et on voit vraiment une évolution du travail qui est fait, en fait, qui est réalisé par l'entreprise, par les artisans. C'est bizarre, hein. Le placo, il est un petit peu attaqué. Ils avaient commencé. On arrive vraiment sur la même, le même schéma. Hein. C'est identique. On va passer à l'étage suivant. Et à la fin, on s'arrêtera dans les combles qui sont juste ici. Et qu'on est fort sympathique, j'adore les combles, j'adore les greniers, j'adore les caves. On est clairement sur un grenier. Et on a, regarde, c'est des tours de porte, tout neuf. Tous les tours de porte en bois. Ah oui, ça c'est tous les tours de porte. Ouais. Mais non, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 portes neuves. Regarde la toiture et la charpente, toi qui t'y connais. C'est sain, c'est un truc de ouf. Ah ben oui. C'est ultra sain, tu regardes le chevron là, les fermes et tout. C'est pas moisi, c'est pas attaqué, c'est pas fendu.
Ça, c'est en amiante, ça, non? Ouais, ça c'est pas cassé, mais c'est en amiante, quoi. Ouais, t'en as partout de l'amiante. Ouais, bah oui, bah regarde, même à Rouen, ce qui a cramé, il y avait toute la toiture ça, en amiante. C'est pour ça ou quoi qu'ils auraient pas pu. Non, non, il y en a trop peu. Ah oui, putain, la fenêtre. T'es allé voir dans les combles, du coup? Non. Dans les combles, là? Je vais te voir juste parce que j'ai vu comment ça partait pour moi. Hein. Mais il n'y a rien de spécial, enfin, c'est beau. Là. C'est super beau. Ah oui, c'est balèze. Ça part à droite, tout. Ah ouais, putain. Ah, ça part à droite. Ah ouais. Ah ouais, c'est une grosse pièce, quand même. Ouais. Ah, il y a un paquet de clopes là déjà qui peut juger de l'âge des travaux, à mon avis. C'est un paquet qui a quelques années. Déjà, c'est pas abandonné depuis 6 mois. Quoi. Au niveau des travaux, je pense que ce paquet de clopes appartenait au mec des chantiers. Ça devait être les dernières personnes à être venues sur les lieux, à part les 2-3 casseurs qui sont venus. Ça, j'aimerais bien avoir une chambre comme ça. Ouais. Je te jure, hein, c'est énorme. Ah ouais, c'est trop beau. Avec le mur de pierre là. Ouais. Imagine la chambre que tu fais. Ah bah oui. Dans cet espace-là. Là, tu fais une sacrée chambre. Salle de bain, ah bah oui. Avec la fenêtre en plus là. Ouais. En rond comme ça, en œil de bœuf. Ouais. Quand tu la refais, tu mets une belle fenêtre à la place. Ouais. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ouais. Alors l'autre d'après, elle est encore plus grande. Ouais, c'est clair. On a fait le tour de celle-là. On va passer à la maison suivante si c'est accessible, bien entendu. Je ne vais pas m'avancer sur un futur projet qui ne se fera pas. Mais la maison juste après qui doit être aussi abandonnée. On va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Ça craint, on se casse, mais sinon c'est ce bâtiment. Tu vois ce qu'on fait? On avance un peu, on voit si ça craint. Et si on voit que ça craint, on s'arrache. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en examen, puis on va être en chaud. On est posé. Sur ça nous éclairer un peu. Ah attends, je coupe les essuie-glaces. Pas du tout. À outro, complètement improvisé. On n'a pas pu filmer la deuxième maison parce qu'en fait la maison derrière, comme vous avez pu le voir, la maison derrière était habitée, donc on n'a pas pu aller dans l'autre qui était juste devant. On aurait pu rentrer à l'intérieur. On a évité de prendre le risque tout simplement de se faire repérer parce qu'une fois à l'intérieur avec les lampes, on était hyper visible. Donc on s'est sauvé un peu à la va-vite. On n'a pas pu faire de outro sur place parce que il pleuvait trop. Et du coup, on a tout chargé, on s'est barré. Et donc là, on vient juste de rentrer chez nous. On est dans notre ville. On est in the city, on est dans la street, merde, on est arrivé. J'espère que cette petite vidéo très très courte vous a plu quand même, c'était différent d'habitude. Ah bon? Bon, ouais. C'est vrai que le style de la maison et le fait de tomber sur une maison en construction un peu comme ça, où les travaux se sont complètement arrêtés, c'était un peu bizarre. J'espère que ça vous a quand même intéressé de voir tout ça. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un pouce bleu comme d'habitude si cette vidéo vous a plu. Partagez la vidéo un maximum parce que, comme je l'ai dit dans ma story sur YouTube, en ce moment, il y a un problème de référencement YouTube. Je sais pas pourquoi mes vidéos, elles font pas le nombre de vues qu'elles devraient faire normalement. Je sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à partager au maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'Urbex, pour une prochaine vidéo d'histoire et surtout pour une soirée spéciale. Vous verrez tout ça. Bref, portez-vous bien. C'est mieux. Ciao.